Et bonjour les amis, nouvelle vidéo Great One aujourd'hui. Alors elle est très rapide après le suivant parce que celui-ci, donc j'avais continué un peu l'élan, il est tombé avec. Oh, il y a eu moins de 100 kills, hein, c'est sûr. Alors c'est déjà la quatrième fois que ça me le fait. Alors je sais pas si je suis content ou si je suis énervé d'avoir fait celui-ci. Je vais vous montrer pourquoi. Bah, c'est encore un chêne avec les bois en pic, la araignée là. Et celui-ci, je l'ai déjà. Donc ça fait deux élans de suite Great One que je fais, alors certes très rapidement, mais que j'ai déjà. Alors que comme je vous l'ai déjà dit, je cherche toujours le bicolore. Ça commence à m'agacer. Donc c'est toujours bien, ça reste un Great One, mais bon sang, où est-ce qu'il est ce bicolore quoi? Donc on va s'occuper de celui-ci. Donc je lâche pas l'élan, hein, je veux toujours faire mon dernier. Je suis aussi parti un petit peu sur un ours parce qu'il m'en manque toujours deux. Mais ça serait bien que le bicolore finisse par tomber quand même, hein. Alors je vais pas me plaindre, je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent à faire ne serait-ce que leur premier, mais là je crois que ça doit être le, si je me trompe pas, le 13e élan. Et il me manque toujours un quoi, sur 6 fourrures. On va aller chercher celui-ci déjà. Je tiens à remercier aussi ces deux gars là sur la dernière vidéo avec le cerf de Virginie qui m'ont confirmé que le cerf de Virginie Pi Great One existait sur PlayStation. Donc je les en remercie du commentaire. Donc je pense que je vais probablement essayer de finir les élans et faire peut-être un ours voire deux. Et puis ben, je vais m'y recoller quoi. On va essayer de le faire ce Pi. Hein. On va voir. Après, je sais pas si normalement un nouveau Great One devrait tomber au mois de décembre, mais pour l'instant il n'y a pas eu d'infos. Bon, bah c'est bien un chêne légendaire, mais celui-ci je l'ai déjà et j'ai déjà avec ces bois-là. Bon, ça reste un Great One. Je vous dis à bientôt!